pardonné et ma frappé. Ta parole est pris mon frère, pris ma soeur, que la parole te touche. Ta parole est ma vie, Seigneur Jésus, ta parole est la vie. Ta parole est éternelle. Ta parole est ma victoire, Seigneur Jésus, ta parole est la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom tout-puissant, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Tout-puissant, tu ne dors pas, hein, tu t'assois. S'il te plaît, tu es fort, tu as vaincu le sommeil, tu as vaincu la vie contraire de Jésus. Tu comprends? Quand on dit qu'au nom de Jésus vainqueur, c'est qu'on a vaincu la vie qui est contraire à la vie de Jésus. On est en lutte contre la vie qui est contraire à la vie de Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Voilà pourquoi on jeûne. On jeûne. Parce qu'on crucifie, on lutte, on résiste contre la vie qui est contraire à la vie de Jésus. On prend la vie de Jésus pour appuyer, pour lutter contre la vie qui est contraire, contre la joie qui est contraire, contre la souffrance qui est contraire. On ne prend rien du monde pour rester fort, vigilant, très clair. Donc Jésus était très prudent. Donc la prudence, c'est de t'attacher à l'âme de Jésus, à la vie de Jésus. Donc tu jeûnes pour soumettre la chair. Et quand on parle de la chair, on parle de la joie de la chair et on parle de la tristesse de la chair. Les deux là, tu ne prends rien. Tu regardes, tu es prêt. Tu es prêt à combattre le prince du monde. Marche contre toi les démons de fatigue, les démons de lourdeur, les envoyés spéciaux pour éteindre le vrai feu du Saint-Esprit, pour éteindre le feu qui sort du cœur. Tu comprends? Pour remplacer avec le feu qui sort de la voix. Tu as besoin de gêner. C'est le Saint-Esprit seul qui connaît, hein, ce que tu as donné à Dieu. Ton désir d'être avec le vrai Esprit de Dieu. C'est le feu là qu'il donne. C'est le feu de l'Esprit qui va brûler la chair. Donc c'est ceux qui jeûnent profondément. Ceux qui attendent, ceux qui combattent la chair avec ses passions. Ça veut dire qu'avec ses plaisirs et puis ses flatteries, avec ses sucreries. Ceux-là, ils sont dans le désert, dans la crucifixion. On est en train de lutter, on est en train de combattre la vie pratique, de la théorie à la pratique. C'est là-bas où se passe le mystère de la traversée. Beaucoup de gens restent dans la théorie, mais ils ne passent pas dans la pratique. On est des chrétiens qui pratiquent, des pratiquants. On n'est pas des théoriciens. On est des pratiquants, donc on pratique la vie chrétienne, la vie de Christ. On actualise, on est dans la lutte concrète, vous voyez, dans la réalité. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils connaissent Jésus dans la théorie, dans la lettre. La lettre est théorique. Donc tu vas voir, la Bible dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le secret de la force éternelle, vous comprenez, c'est celui qui a renoncé à l'âme de la chair. Au plaisir, à la sucrerie, au bonbon, au chocolat de la terre, à l'eau qui sort de la bouche du dragon. Quelqu'un qui est confortable au désert, dans la présence de l'esprit, dans le ministère de l'esprit. Celui-là ne vit pas avec la théorie, c'est-à-dire avec la lettre. Il vit avec la pratique. Beaucoup de gens abandonnent Jésus quand l'heure de la pratique arrive. C'est là où ils tombent, c'est là où ils abandonnent. Quand c'est la théorie, c'est bien. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tout le monde est d'accord. Alléluia, bien, bon. Quand ça arrive à la pratique, c'est là-bas où le diable se trouve. Maman dit que je n'ai pas de problème. Satan dit que ne t'en fais pas. Ils ont commencé à aller prendre la lettre de la parole pour venir. Maintenant, c'est lui-là qui donne la vie à l'épée qu'il faut attaquer. Et puis le sang qui fait vivre l'épée qu'ils veulent utiliser. C'est ça, c'est là-bas où le combat va se déclencher. S'ils aiment la chair
alors ils vont s'aimer la lèpre. Et après la lèpre, ils vont récolter les épines. Donc, on est en train de lutter ici aujourd'hui contre le mystère des épines qui grandissent, qui croissent dans la vie des chrétiens et qui les rend infructueux. Les chrétiens aujourd'hui de ce siècle sont refroidis complètement. Ils meurent. C'est-à-dire que quand tu vois une joie étrangère, un feu étranger, tu ne prends pas, tu es prudent. Tu es confortable, Dieu t'a donné une nouvelle nature dans la souffrance, dans le brisement, où tu étais content, tu avais l'Esprit de Dieu, tu avais l'onction, tu avais une direction pour l'éternité, tu avais un sens dans le combat que tu menais, tu étais fort. Le diable aura beaucoup de manières pour éteindre ce feu. Jésus dit clairement que tu renonces à toi-même. Beaucoup de personnes ne seront pas libérées des épines, des soucis, du venin du serpent parce qu'ils n'ont pas accepté le ministère de la vie de Jésus. Ils ont pris la lettre. La Bible est claire. Je vous dis un verset, je reviens et puis on va entrer. Hier, on s'est arrêté. On va continuer où on s'est arrêté hier. Mais avant de continuer, je veux d'abord lire le Jérémie 12, verset 13. Ne dors pas, on est en train de traiter un mystère. Le mystère de la mort éternelle. Pourquoi le diable tue beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères vont tomber. Tu comprends? Par la force du diable, par la force de la chair. Terrible, la corne là va faire des ravages. Jérémie 12, verset 13. La Bible dit qu'ils ont sémé du froment. Et il moissonne des épines. Là, il y a une révélation. Avant qu'on aille avant. Il dit, quand tu sèmes le froment, comment peux-tu semer le froment et tu moissonnes des épines? Là, il y a un mystère. C'est-à-dire quoi? C'est des personnes qui sèment la lettre de la parole. Tu comprends? Mais qui moissonnent l'âme de l'épine. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est très profond, il faut comprendre. Ils ont semé le froment qui semble bien. Quand tu vois le froment, tu es content. Ça va donner peut-être le fromage ou bien quelque chose. Mettons ça comme ça. Voilà. Donc, il sème le froment. Alors, il doit moissonner ce qui est bien. Mais lui, il moissonne les épines. C'est pourquoi il a semé la lettre du froment. Mais l'âme et l'esprit du froment, il n'avait pas semé. Donc, il moissonne. C'est-à-dire, au fait, il a semé la lettre du froment. Mais il avait l'âme et l'esprit des épines qui est en lui, c'est-à-dire que les soucis, les inquiétudes, c'est-à-dire que c'est un faux chrétien, c'est un faux pasteur, c'est un prophète rusé, malice, malin. C'est-à-dire que, et ça, Jésus-Christ expérimente avec beaucoup de ses enfants, plusieurs enfants de Jésus. L'épouse, la femme, ça c'est d'abord le mystère de la femme. La femme est très infidèle. Elle vit par la chair. Elle va te trahir par la chair, par le plaisir. Donc, quand tu vois quelqu'un qui aime le plaisir, qui aime la joie, qui aime la vie facile, qui veut, lui, il a fini avec Jésus. Si tu montes, tu le flattes, tu le prêches, tu fais n'importe comment, tu vas simplement lui donner la lettre. Ça va simplement être sur lui. Il va se mettre, il va se décorer avec. Mais son âme et puis son esprit est attaché à sa chair, à ce qu'il veut gagner, à ce qu'il veut devenir. Il suffit seulement un peu de trucs, tu vas voir la personne là a déjà n'est plus comme la personne a déjà décampé dans sa fidélité, dans son engagement total envers Jésus. Donc il a semé la lettre et il moissonne l'âme et l'esprit des épines maintenant. Donc c'est une vie, tu vas voir beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu. Tu te demandes que mes seigneurs, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils ne veulent pas combattre. Ils ont accepté l'âme des épines. Ça dit que la force de la chair, le je veux devenir. Vous voyez, la Bible nous dit que c'est ceux qui sont sauvés qui peuvent lutter. La Bible dit que si par l'esprit, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Donc, il faut d'abord faire le Saint-Esprit. Maintenant, c'est celui qui a le Saint-Esprit et qui jeûne pour avoir la paix de Dieu. Parce que la vie qui n'a pas l'épine, la vie là, c'est la vie de paix. Quand tu vois un chrétien qui est agité, qui monte à gauche, à droite, il est distrait, il n'a plus la paix de Dieu. Il a déjà eu quelque chose qui est entré dans son âme. Il a une priorité. Il est devenu infidèle en une seconde. Tu comprends pourquoi? Parce qu'il a pris quelque chose. Et le sang étranger, la vie étrangère, la passion. Jésus-Christ, notre maître, nous a beaucoup aidés dans cette lutte.
pour ne pas se refroidir, pour ne pas mélanger de sang. Il y a un grand mystère pour vivre, pour combattre les épines qui étouffent la parole, qui étouffent la nature de Dieu dans ta vie, qui font que malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tout ce que tu fais, tu ne fais que produire des épines, tu ne fais que murmurer, tu ne fais que t'inquiéter du monde, tu ne fais que vouloir gagner, tu n'aimes que les personnes qui sont bien avec toi, tu ne peux pas aimer tes ennemis, tu ne vis que pour toi-même, tu n'es content que pour toi-même, ton témoignage c'est seulement quand ça s'est bien passé par rapport à toi-même. Ça, c'est terminé. C'est la sémence du diable. C'est pourquoi Christ a dit que si tu veux donc être avec moi pour ne pas avoir ces épineux, il faut que tu renonces à toi-même. Ça, c'est là-bas où tout le monde qui a échoué va échouer. Quand il dit que tu renonces à toi-même, il est en train de dire que tu renonces au moi, à ta volonté, à ton désir, à tes ambitions. Pratiquement, pas théoriquement. Voilà ce qui se passe. Quand tu fais ça théoriquement, tu es en train de semer le froment. Mais pratiquement, tu vas récolter maintenant les épines. Tu comprends? Très clair. Tu n'auras pas la paix. Donc, quand il va te dire que si tu veux me suivre, tu dois détester ta vie. Et il te dit que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Ça dit que c'est là-bas où ça commence. Si tu ne veux pas faire ça, quand tu montes, quand tu descends, tu vas seulement tourner autour. Tu seras faible demain. Demain, tu vas voir que tu es lourd. Demain, après, tu commences à voir que le chemin est trop long. Tu as déjà pris quelque chose de l'étranger. Tu as pris le moi. Tu as pris toi-même. Tu as pris les épines. Tu as pensé à toi-même. Tu as regardé derrière. Tu as pris le sang étranger. Tu as mélangé des sangs. Quand il dit que si tu aimes ta mère ou ton père ou tes frères, ta mère ou tes frères ou ta femme plus que moi, il connaît comment les épines vont entrer. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas rentrer dans le sang du moi. Immédiatement, ça sera terminé pour toi. Il ne pourra plus. Regarde, prenons la partie pratique. On parle aujourd'hui. Comment lutter contre les épines? Parce que, avant de venir expliquer, je veux d'abord vous montrer théoriquement que la Bible nous appelle à lutter contre les épines, à ne pas être paresseux. Beaucoup pensent que pour lutter, les épines, ce n'est pas Christ qui les a plantées. Les épines sont plantées dans la vie de l'homme naturel, parce que lui, il est naturellement, il s'inquiète naturellement. Je vais manquer quoi demain? Je vais vivre comment? Alors que Jésus lui dit dans la nouveauté de vie qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais lui ne peut pas. Il est l'homme naturel. Il n'a pas la foi. C'est-à-dire que la foi ne manque pas. Si tu fais confiance à Jésus pour l'éternité, comment ne vas-tu pas lui faire confiance pour ta vie de la terre? Bon, la preuve, c'est seulement que l'homme naturel, lui, ne peut pas être de Christ. Donc, il est obligé de copier la lettre avec, mais il ne va pas avoir la vie. Or, les vrais chrétiens, eux, ils connaissent Jésus d'abord par le cœur qu'ils ont reçu. Le jour où ils ont été nés de nouveau, ils avaient la paix. Ils étaient complètement satisfaits. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de nourriture, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de diplôme, ils n'avaient pas de ministère, ils n'avaient pas de femme, ils n'avaient pas d'enfant. Ils étaient satisfaits. Hein, c'est ce que j'ai prêché à Kinshasa. Quand Jésus est capable de te rendre heureux, de te faire vivre en paix, sans maison, sans voiture, sans c'est toujours ça qui va revenir. C'est là-bas que le Saint-Esprit ne fait que dire que Martel ici, c'est ici que ça commence, c'est ici que ça finit. Le sang là, c'est le sang de la trahison, le mauvais sang, très clair. Le chrétien si, lui il est né de nouveau, il n'avait rien, il a eu la paix immédiate. Il était content, il voulait embrasser tout le monde. Il a découvert les sources de fleuves d'eau vive. Ses problèmes sont tombés. Je vous ai donné mon témoignage. Comment quand j'étais arrivé à l'église, à la vie profonde, l'église où je suis né de nouveau, c'était à la vie profonde. Et j'étais arrivé là-bas, je vais faire ça court parce que j'ai un point à toucher. Donc je suis parti là-bas trois fois, le troisième jour, le pasteur prêchait et tout, il racontait ma vie. Mon oncle qui m'avait amené là-bas, lui ne partait plus, mais moi je partais. Le pasteur là avait dit quelque chose, que tu vas partir au feu éternel. À cause de quoi? J'avais dit que non, je veux pas aller au feu éternel, je ne peux pas dormir. J'étais parti à l'église là avec des problèmes. J'étais parti à l'église parce que
parce que moi, je voulais qu'on m'inscrive en terminale pour faire le bac. Je n'avais pas, mon oncle m'avait abandonné. Il ne m'avait pas inscrit au collège où je voulais partir. Donc ma vie, pour ma première fois sur la terre, n'avait plus de sens. J'étais resté sans direction. J'étais devenu un délinquant. Et c'était inacceptable pour moi. Alors, je pensais même déjà me suicider. Je suis parti voir les prêtres catholiques pour qu'ils bénissent l'eau, pour que je lave mon visage. Mais il n'y avait rien. Un jour, mon oncle est venu à la maison. Il a dit qu'il y a la puissance où je peux prier là-bas. C'était un païen. On l'avait aussi invité. Et comme j'ai compris qu'il y a la puissance là-bas, j'ai dit quoi? Il y a la puissance? Mon frère, je pars. J'ai résolu dans mon cœur. Il ne m'avait pas invité. Il parlait à ses enfants que dimanche, on va partir dans une église là-bas parce que je crois qu'il y a la puissance de Dieu là-bas. Alors, quand il parlait comme ça, moi j'ai compris l'invitation qu'il disait à ses filles. Il ne pouvait pas me dire. J'étais arrogant. J'étais dans le monde. Je voulais devenir star de football. J'avais toutes mes ambitions. Donc, il ne pouvait pas me dire. Déjà, il a seulement parlé. Mais moi, j'ai écouté. Et j'ai dit que comme il y a la puissance là-bas, je vais partir. On va prier pour moi. Mon problème va finir. Je vais aller à l'école et puis peut-être devenir star de football. Voilà ce que je pensais dans mon cœur. Quand je suis arrivé à l'église là, j'ai vu d'abord une petite église, et rien du tout. Je te parle de la force de ceux qui gardent le feu, qui n'acceptent pas le bien ou bien le mal du monde. Ils sont restés sur le premier bien, sur le premier, la première source de plaisir qu'ils ont connu. Ils ne mélangent pas les plaisirs. Tu comprends, mon frère? Ils ne mélangent pas le plaisir. Apporte tous les plaisirs. Il ne prend pas. Il ne change pas le plaisir. Il dit que fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Le jeune, il va toujours entrer. Il veut la présence de Dieu. Et tu comprends? Il ne gêne pas pour qu'on le voie. Il ne gêne pas pour qu'on connaisse. Il ne gêne pas pour avoir les révélations. Il jeune, il veut la vie de Dieu. Il connaît la vie qui n'est pas corruptible. Il connaît la singularité, la singulière présence de Dieu. Unique. David a dit que dans ta présence, il dit que fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Il va te donner ce que ton cœur désire. Ta présence là, tu vas, ça coûte toute la terre. Toute la terre ne peut pas valoir. Jésus dit que toute la terre ne vaut pas une âme. Qu'un homme, que donnerait un homme, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Tu comprends? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc toute la terre. Il dit que tu prends tout le Canada, toute l'Australie, tu prends toute l'Amérique, tu mélanges tout, et dit que ça ne vaut pas une âme. On dit une âme. On parle du Créateur qui a créé toutes les âmes. Il dit que toutes les âmes sont à moi. Alors, sa présence, mon frère, que Dieu me pardonne, que Dieu m'aide, que je me réveille, ou on m'enchaîne, ou on me séduit avec le bonheur contraire, avec la joie contraire. Où j'ai accepté la compromission du faux bonheur, de la fausse joie, de la fausse paix, de la fausse bonne nouvelle, que Dieu m'en déconnecte depuis le trône de grâce. Dieu dit que le Créateur, toutes les âmes, je viens de vous dire qu'une âme vaut plus que toute la terre. Et on parle du Créateur des milliards d'âmes. Et sa présence ne te satisfait pas. Tu attends quelque chose à l'extérieur pour être satisfait. Ça, c'est le diable, frère. Ça, c'est le mystère des épines. Rien, si tu n'es pas satisfait avec la présence de Dieu et que tu attends le matériel pour te satisfaire, tu es un faux chrétien. Écris dans ton cahier. Tu es vrai faux chrétien. Fausse joie. Hey, que Dieu m'en garde. Mon frère, le réveil. La présence est de Dieu. La présence est de Dieu te satisfait immédiatement, complètement satisfait. David dit que je préfère mettre un joyeux pari, vaut mieux que mes joyeux. Ce n'est pas la théorie. C'est ça le problème. Il est dans la pratique. Il n'est pas dans la théorie. Je vous ai dit que la théorie, là, c'est ça qui tue beaucoup de gens. Et il moissonne les épines. Donc, il moissonne une vie qui rejette la nature, l'âme et l'esprit de la parole. Donc, ils servent de froment la lettre. Ils disent oui, pasteur, c'est vrai. Mais dans la réalité pratique, c'est la chair. Mon frère, le feu de Dieu ne peut pas rester sur une telle église. Le feu de Dieu ne peut
présence est du Dieu vivant. Ce n'est pas maman qui va remplacer la présence de Dieu. Ce n'est pas maman qui va donner la joie, qui a la force du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. La force de Dieu a vaincu les épines. Je reviens sur le témoignage. Regardez ce que le Alpha et Omega dit. Dans l'Ésaïe 27, il dit quelque chose qui me frappe. J'ai écouté le verset là depuis. Il dit que, Ésaïe 27, il dit que, il n'y a point en moi de colère. Mais, si je trouve à combattre des ronces et des épines, écoutez, si je trouve à combattre, il dit que j'arrive. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des épines, je marcherai contre elles et je les consumerai toutes ensemble. Hey, mon frère, Jésus, dans la jalousie qu'il a pour nous, pour qu'on lui appartienne complètement, pour que la présence du Saint-Esprit se manifeste véritablement dans l'église, les pasteurs et les frères et les sœurs doivent apprendre que maman ne peut pas substituer la présence de Dieu. Il ne peut pas remplacer. La bonne nouvelle ne peut pas venir de maman. La bonne nouvelle, ça vient de Christ. La nouvelle de la nouvelle vie, ça vient de Christ. La force d'Israël, le chef suprême, celui qui a enlevé la couronne d'épines. On va entrer là-bas, mon frère, ma soeur. La force éternelle, le roi d'Israël, le roi des vrais juifs. Ce qu'on loue, l'argent est tombé devant lui avec son ministère. L'argent est tombé. La force du plaisir de la chair est tombée. Est jugée. Hey! Alléluia! Réponds-moi! Jésus, réponds-moi! On m'a tendu le piège devant. On m'a tendu le piège derrière. On m'a tendu le piège à gauche. On m'a tendu le piège à droite. On m'a tendu le piège en haut. On m'a tendu le piège en bas. Mais tu as vaincu, Seigneur Jésus Christ. Prenez courage. J'ai vaincu le monde, mon frère. J'ai vaincu la chair avec ses passions, avec ses désirs. J'ai vaincu le prince du monde. J'ai vaincu l'âme du prince du monde. J'ai vaincu l'esprit du prince du monde. Je suis Seigneur des seigneurs et roi des rois. Rien ne m'est impossible. Je fais ce que je fais. Personne ne peut me remplacer. Si quelqu'un n'était pas content avec moi à 100%, c'est un traître. Et s'il attendait quelque chose de même pour être content, c'est un faux chrétien. Ceux qui me connaissent sont entièrement satisfaits dans ma présence. Et il ne manque rien. La présence est de Dieu. L'arche de l'Alliance marche avec Israël, la force de Dieu, le chrétien qui connaît la joie d'être présent. Quand Dieu, je vais revenir à mon témoignage, hein? Ne dors pas, je vais revenir à mon témoignage pour montrer comment la vraie vie que tu as connue le jour de ta nouvelle naissance, le jour où Dieu t'a donné la terre pure, la terre sainte qui n'avait pas d'épines, la terre où tu étais satisfait, sans désir, sans plaisir, crucifié, arrivé, tu ne pensais pas par toi-même, tu n'avais pas autre chose, tu ne savais pas que tu étais nu, tu te croyais arrivé, on va arriver là-bas. Mais puisqu'on est dans un enseignement et qui est prophétique, parce que je vous ai dit qu'on lutte contre Satan, devant et derrière, donc il y a les bonnes nouvelles, il y a les mauvaises nouvelles qui viennent, à gauche, à droite, que ce soit bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, on ne prend rien. Donc, on a déjà eu la seule bonne nouvelle, que Christ a pris le contrôle. Hey! Au septentrion de la gloire, il est monté au sommet de toutes les montagnes. Il a toute autorité. Voilà la bonne nouvelle qu'on peut annoncer aux extrémités de la terre. Allez annoncer que lors du coup d'état raté du diable, Jésus-Christ a pris le contrôle. Alléluia! Le général en chef a pris le contrôle au ciel. Alors annoncer que le capitaine de notre salut, qui a mis en relief l'immortalité par sa résurrection, a pris le contrôle. On défend la vie de la résurrection. On rejette toute la vie qui vient du monde. Frère, c'est le combat. Mais ça, l'apôtre dit que je tiens mon corps assujetti. Bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, j'attends la mort. La seule nouvelle que j'attends, mon frère, ce
grâce de Dieu, la vie éternelle. Je n'ai aucune bonne nouvelle sur la terre. Je n'ai aucune mauvaise nouvelle. Je combats à partir de la victoire. Donc, on comprend. Dieu dit qu'il vient. Il n'a pas de colère. Mais s'il trouve les épines, on va revenir sur le témoignage. Ne dors pas. Regardons ce qu'avait dit les épines. Il dit que s'il les trouve, il va les brûler en un instant pour montrer qu'il ne fait pas les épines. Avant de partir, je lis avec toi dans Matthieu chapitre 13. Ça, c'est la force vainqueur du chef suprême de l'armée de Dieu. Tu comprends? Le leader, le meneur. C'est les personnes qui disent que je ne connais pas l'argent, je ne connais pas ma mère, je ne connais pas mes frères, je ne suis pas dans le sang de la chair, je suis enfant de Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà ce que lui reconnaît, mon frère. Il n'a pas compromis, il ne peut pas avoir d'épines. Les épines viennent du mauvais sang, de la mauvaise familiarité. C'est de là-bas que vient l'injustice. Après, tu aimes telle personne plus que l'autre. Tu es en Christ. Pourquoi tu peux aimer telle personne dans la chair plus que l'autre dans la chair? Tout le monde, vous êtes dans le sang de Christ. Alors, quand tu ne veux pas rester comme ça, tu ne peux pas être meneur. Tu ne peux pas être fort. Tu ne peux pas être avec Christ. Tu ne peux pas défendre la tour de l'éternel avec Christ. Ton amour, il y a une soeur qui a donné une requête de prière avant-hier qui m'a beaucoup marqué. Et je voulais même en faire le thème de cet enseignement, mais le Seigneur ne m'y conduit pas. Elle a dit que prions pour aimer passionnellement Jésus avec une grande passion. Ça m'a beaucoup touché. Et elle a donné la déduction logique, rationnelle, la déduction spirituelle, vraie. Elle a dit que aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, avec une passion terrible, va inévitablement te conduire à aimer l'âme de ton frère. C'est une vérité incroyable, mon frère. C'est une réalité pratique. Tu ne peux pas aimer l'âme de ton frère sans être injuste si tu n'aimes pas Jésus. Parce que l'âme qui ne connaît pas d'injustice, c'est l'âme de Jésus par laquelle tu vis et par laquelle tu aimes. Tu ne peux donc pas. C'est pourquoi Jésus va dire, le temps me manque. Moi, je ne veux même pas toucher parce que le temps passe. Et je vous ai dit que quand l'Esprit parle, c'est pour nous donner la force. La force. On ne sait pas, on n'est pas ici pour être lourd. On est ici pour avancer, pour mourir. On n'a rien. Le chrétien est mort. On attend la mort. On annonce notre mort. Et on se réjouit de la force de l'Esprit, de la joie du Saint-Esprit. Mon frère, un seul mouvement. Je vais vous parler de mon expérience maintenant. Quand le Saint-Esprit décide de me donner la force, c'est, je peux rester longtemps dans les jeunes, je ne le sens pas, ce n'est pas dans la chair. Mais quand il veut une seule touche de l'Esprit, c'est-à-dire qu'une seconde, un mouvement des fleuves d'eau vive qui sortent de mon cœur, ça peut me faire courir pendant 100 ans. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu sens la vie qu'on ne peut pas corrompre. La sensation vitale de la présence de l'Esprit de Dieu, c'est un sentiment qu'on ne peut pas partager, frère. Quand tu ne peux pas expliquer la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Mon père, réponds-moi. On m'a tendu des pièges. On m'a tendu des pièges pour voler mon trésor, la vie de Dieu. L'âme de Jésus devant mon cœur, dans mon âme, le cadeau du Père, son âme, son esprit en moi, et puis maman, et puis le monde, et la gloire, les hommes, les amitiés, les affinités dans la chair veulent substituer la présence vivante de Dieu. Tu connais l'importance de la présence de Dieu? Mon ami, je vais sacrifier tout ce que je possède pour la présence de Dieu. David avait un secret, il aimait la présence de Dieu. Le secret des vainqueurs, des vrais chrétiens, ils vont aimer la présence. Quand une femme t'aime, elle va vouloir que tu sois là. Ça n'a même pas, tu n'as même pas besoin de monter et descendre. Celle qui ne t'aime pas, elle est là, elle te cherche pour l'argent, elle te cherche pour les solutions. Automatiquement, quand il y a les solutions, là, elle te quitte, elle t'abandonne. Ça, c'est clair.
Le cœur va partir et tout ça. Ça, c'est les fausses églises. Ça, ce n'est pas les frères et les sœurs. Ça, c'est les aventuriers. C'est pas quelqu'un qui connaît Jésus, qui connaît hein, la présence. Que le Tout-Puissant soit ton or. Ça, c'est fort. Ça, c'est parler dans le cœur des chrétiens. Donc, le diable lui-même connaît. À distance, il dit aux démons, il dit aux autres faux chrétiens que lui, c'est le. Vous perdez votre temps. Il va vous dénoncer à l'autel, ouvertement. C'est un traître. C'est un Judas. Il est un Judas dans mon côté. C'est-à-dire que comme Judas était Judas du côté de Jésus, le diable a dit que moi je suis Judas de son côté. Tu vois? Donc quand tu me vois avec les frères, les sœurs, hey, comment c'était bien, hey, ouais. Il dit qu'il vous fait le ouais là, la bouche, son cœur est avec Jésus à 1000%. Il méprise tout ce que vous considérez. C'est un malin quand tu le vois là. Il ne cherche que la gloire de Jésus. C'est un vrai, il est attaché à Jésus. Il aime Jésus parce que Jésus lui a donné la vie éternelle. Jésus lui a pardonné beaucoup de péchés. Celui à qui on pardonne beaucoup, celui-là va beaucoup aimer Jésus et tout pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est un. Regardez-le bien, il va faire, il va te dire merci, alléluia. Il fait comme il est content dans la chair, mais fuis-toi avec lui. Il va bon balancer tous ces trucs-là comme la pourriture. Quand il va voir qu'il ne peut plus voir son maître, quand il va voir que ça fait ombrage à la présence, à la communion qu'il a avec son maître, il va balancer toute votre pourriture dans votre visage. Il va dire que lève-moi ça rapidement. Où est la présence est de Dieu? Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui m'a donné le privilège est d'exister. Où est-il? Il ne peut plus me satisfaire. Maintenant, c'est quelque chose d'autre qui veut m'embouger. Rien ne me bouge. Rien. La présence de Dieu. Rien. Comme le message prophétique, je ne vais plus toucher d'autres points. Parce que si le Seigneur me donne la force, il révèle ce qui suce la force des chrétiens. Il remplace la présence de Dieu. Ils sont comme ils ne veillent pas et comme ils ne sont pas prudents. Et puis comme ils trichent. Parce que la tricherie, le mystère de la tricherie, c'est qu'ils veulent la facilité. Et comme ils ne veulent pas combattre pour entrer dans le véritable, ils savent bien que tout ce qui est précieux est cher. Mais ils ne veulent pas payer cher de leur vie pour avoir la vie de Dieu. Autrement dit, il faut tricher. Donc ils sont toujours obligés de tricher. Après le lever entre. Et après, tu vois une foule de personnes qui sont assemblées. On dit de diriger la prière. Tu ne sens aucun feu de l'esprit qui sort du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il avait la vie, et aujourd'hui, maintenant, tu es déjà satisfait. Quelle est la satisfaction mensongère? Mon frère, tout ce qui peut être, qui vient, toute satisfaction mensongère, dans le but de m'emprisonner et de me mettre dans une position où je ne vais pas être avec Christ, je renonce. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Voilà ce qu'il veut dire. Très clair. Donc, tout ce qui peut éteindre la flamme, la direction, voilà, la passion pour Jésus, très clair, c'est terminé, c'est fini. Si ça éteint, si ça peut empêcher, ce n'est plus bon à rien. Ça tombe devant Jésus, très clair. La présence est de Dieu. Cela jeûne pour la présence de Dieu. Il a prié pour la présence de Dieu. Il a prêché pour la présence de Dieu. Il ne veut rien faire sans la présence de Dieu. Très clair, mon frère. Très clair. Très clair. Ils sont traîtres du côté de Satan. Satan leur dit que, je vous ai dit que c'est un traître. C'est un vrai traître, cet enfant. Cet type-ci. Vous savez quand le diable me tapait, quand il me menaçait, il disait que je suis mauvaise herbe. Lui, il m'appelle mauvaise herbe, mais je préfère qu'il m'appelle mauvaise herbe plutôt que c'est Jésus qui t'appelle mauvaise herbe. Donc,
Donc quand il t'amène avec les faux prophètes dans leur église, il dit, Dieu aussi là, comme tu étais avec, il te voit, il dit que prenez garde à celui-là. Quand vous allez lui donner le tête, il va dire des choses terribles. Il va dénoncer tout le respect que vous lui avez montré dans la chair. Tous les applaudissements que vous avez dit qu'on fait quand il monte à l'autel, il va dénoncer. Il va vous parler au visage, la vérité. Ce n'est pas, il parle la vérité. C'est le Seigneur Jésus qui est dans son cœur. Il n'est pas votre ami. Donnez-lui l'autel, vous allez voir. Quand vous le voyez là avec vous là, vous faites votre manifestation, vous l'appelez. Oh pasteur, il est aussi là. Vous prenez vos maquillages, vous faites, il est aussi là avec vous comme ça. Donnez-lui l'autel, vous allez connaître qui il est. Vous allez voir à qui vous avez affaire. C'est un traître. Je le calcule depuis. J'essaie d'entrer dans les rangs. Mais il est très prudent. Quand il sent son maître lui a donné ce qu'on appelle, il y a un mot là, je vais vous donner là, le scanner. Son maître lui a donné un scanner. Je ne vous parle pas de blague, je dis la vérité. Mon maître m'a donné un scanner. Le scanner là, c'est comment? Quand le Seigneur était venu pour me sanctifier, il m'avait sommé, premièrement, que si quelqu'un va me suivre, qu'il soit prophète, messager, n'importe qui, s'il veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que je ne veux pas entendre pendant notre marche le moi. Le je n'ai pas, le il me faut, non. Je suis tout déjà. La clé de l'amour. La clé de l'union, c'est quand tu renonces. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Si un d'entre eux dit que ça c'est à moi, mais Christ a dit que tout ce que j'ai à toi, alors tout ce que tu as à moi. Donc il n'y aura jamais de problème entre nous quand tu vas tout me donner. Le problème vient seulement quand quelqu'un dit que ça c'est pour moi. À partir du moment où tu dis que ça c'est pour moi, la loi entre en vigueur. Parce que quand tu dis que ça c'est pour moi, la loi entre, ça veut dire que si c'est déjà pour toi, l'autre ne doit pas prendre. Alors s'il va prendre, il tombe sous la loi qui dit qu'il a volé. Donc quand tu mets le moi sur la table, tu t'exposes toi-même à la loi. Et tu rentres dans les épines, dans la vie du levain. Tu comprends? Donc c'est pourquoi Dieu dit qu'il n'y aura pas de levain. Il n'y a pas de moi. Quand tu marches avec moi, tu n'as aucun agenda, tu as perdu ta vie. Donc le scanner que Dieu te donne, c'est-à-dire que c'est une vie calme. Tranquille. C'est pas qu'on m'a fait, elle va me parler, on m'a dit, eh non, rien. Ce n'est même pas un monologue. Quand Christ m'a touché, pas de monologue. Tu restes en paix. C'est pas que... Ah, vraiment, oh, j'ai mal parlé, j'ai fait comme ça. Tu as la paix, tranquille. À partir de cette paix maintenant, voilà le vrai scanner. À partir de cette paix, tout ce qui va venir dedans. Ah, regarde, tu n'as pas encore acheté la voiture là. Regarde, tu n'as pas encore appelé Colette. Regarde, ça c'est des choses qui viennent de l'extérieur de toi. Tu vois bien que ça vient de l'extérieur. Tu ne dois pas être dépendant de rien du tout, ça vient de l'extérieur. Alors quand tu communies avec Dieu, tu sens, il s'infiltre tout ce qui vient de l'extérieur. Ça c'est quand tu es sauvé. Ne va pas mettre en pratique parce que toi tu n'es pas sauvé. Ne va pas mettre en pratique parce que toi, tu n'as pas la vie de la paix d'abord. Tu n'as jamais eu la paix de Dieu. Ça veut dire que le prince de la paix n'est pas en toi. Alors, mais tu veux jamais mettre la paix. Tu ne peux même pas voir ce que j'ai dit, que ça vient de l'extérieur. Donc, il y a deux dimensions. Pour ceux qui ne sont pas sanctifiés, les démons là, appellent un travail, fait comme ça, montent, c'est déjà en eux. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne connaissent pas la paix. Ceux-là ne connaissent pas. Ésaïe 57. Le temps m'a manqué. Je n'ai pas touché les versets bibliques. Je crois qu'on va revenir une autre fois sur eux. Il faut que je dise ça. Je vais revenir pour montrer d'abord les épines, ce que ça veut dire, parce que les épines, c'est les hommes. Hein. On va voir aussi ça dans la parole de Dieu, mais le temps me manque, parce que si je montre, là, je vais dévier. Et j'ai déjà fait 40 minutes, hein, 38 minutes, donc il me reste 20 minutes. Le temps de toucher deux points, c'est fini.
Donc, je vais pas donner, faire l'enseignement là, mais je pense que l'objectif de l'esprit, c'est de restaurer la force incorruptible maintenant. Hein? Ah, pour ne pas être distrait, pour être regardé devant. Et ça, c'est pour les leaders, ce n'est pas pour les gens qui... C'est pas ça. Je parle ici des personnes qui sont appelées à porter la flamme de Dieu là où il n'y a pas de flamme, là où les gens sont lourds, faibles, avec les passions, les désirs, les ambitions. Tu arrives là-bas pour les aider. C'est pour ça que Dieu donne l'enseignement. Si ce n'est pas pour quelqu'un qui veut prendre les trucs de titre, il mange, il boit. On ne connaît pas la joie là, on ne connaît pas la faiblesse là. Ça n'entre pas. Donc, un scanner. Donc tu as la paix et c'est dans cette paix que tu marches tous les jours. Maintenant, quand tu as la paix, si, quand quelque chose va venir derrière, dehors pour entrer, tu vas du coup savoir que voilà quelque chose qui va venir. Donc, je vous avais parlé de cette paix. Quand le Seigneur frappait le démon du sexe au travers de moi qui est sorti, je suis tombé, j'avais une paix. Et puis maintenant, il m'a dit, j'ai commencé à voir comment, pour que le désir sexuel vient, ça venait de dehors, de voir bien comment il vient, il monte. Et puis parfois, je sentais comme s'il me lançait une flèche. C'est-à-dire que tu vois une fille passer, tu tournes les yeux comme ça. C'est-à-dire, comme il est déjà dehors, il ne peut pas me pousser à aller faire. Je sens comment une flèche vient vers moi. C'est-à-dire que comme une flèche qui vient vers moi pour dire que regarde les cuisses de la fille là, de l'extérieur. Et puis voici comment je répondais. Je ne me rendais pas compte que le prince du monde était déjà jugé. J'étais dehors. Voici comment je répondais. Je disais, moi je ne fais pas les choses là. Tu vois, quand je disais, je ne fais pas les choses là, c'est après que je me rendais compte. Et puis je voyais comment ça partait. Après, je dis, mais c'est après que l'esprit me montre qu'il est déjà dehors, le prince du monde. Il est déjà dehors. Avant, tu devais seulement regarder et commencer même à rêver comment tu es avec elle au lit. Mais il est déjà dehors. Il ne peut plus entrer. Maintenant, à force de rester avec Jésus, cherchant sa présence seulement, sa présence, la paix, c'est-à-dire que la paix, que l'alliance de la paix que j'ai eue dès le départ, éternellement satisfait. C'est ça le bonheur. C'est là-bas où le témoignage a commencé. Et c'est là-bas qu'on va atterrir. Donc, un vrai chrétien, tu n'es pas l'argent, ou bien le travail, ou bien le réveil à l'église, ou bien comme ma femme m'a appelé, ou bien les enfants, ou bien que ma vie, mes factures sont payées, ou je suis ici, j'ai les factures, j'ai des choses. Mais ça ne peut pas m'ébranler dans ma prédication, dans ma passion. Ce n'est pas, il n'y a pas de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. C'est Christ, rien ne peut altérer ma force. Rien ne peut me distraire. Rien ne peut me lier. Donc, vous voyez, quand j'ai commencé à persévérer avec Dieu, alors la vie, la nature de Dieu. Maintenant, quand la flèche-là voulait venir vers moi, je regardais comme ça, je voyais comment ça fuyait, poum. Ça sort, ça partait loin. Donc, il y a une vie, un feu qui sort de mes yeux pour et brûler tout ça là. Donc, mais regardez, j'ai la paix. Donc, je ne peux pas aller pécher, convoiter une fille sans que mon scanner n'ait vérifié. Je suis un vrai chrétien, Ton éternité, c'est le seul travail que Dieu t'a donné. Même les gouvernements du monde, ils leur prennent les scanners pour te scanner, pour que tu entres dans leur aéroport, dans leur territoire. Alors, tu es un territoire de Dieu. Tu crois qu'il ne va pas te donner un scanner? Satan va seulement venir comme ça entrer en toi, non. Donc, quand toi me dis qu'il y a telle bonne nouvelle, il y a tel soeur qui est venu à l'église, il y a eu tel frère qui a fait comme ça, il y a eu telle chose, je reste comme ça, je regarde. Quand j'ai un scanner, quand je reste comme ça, ça va venir pour m'approcher à distance. Il y a aussi les mauvaises nouvelles. On loue une salle, après on te dit que la salle là, ce n'est plus ça. Ça fait comme ça, la salle de la conférence. C'est des mauvaises, c'est une nouvelle. Tu loues la salle de la conférence, tu crois que tout est accompli, tu veux partir, on te dit que non, le diable a commencé le trouble là-bas, il ce n'est plus disponible. C'est une mauvaise nouvelle qui peut venir pour vouloir trouver ta paix. Tu as le scanner, tu restes tranquille, tu as l'écho, tu vois, il veut déjà venir, tu dis, oh le voilà, il veut déjà venir. Quand il veut, le Saint-Esprit te montre, oh, voilà, il veut troubler ta paix. Très clair, il n'entre pas dans le temple de Dieu. Du coup, ça commence à sonner. Quand tu es là, tu sais qu'il est le prince du monde. Et puis le Seigneur, tu vas demander au Seigneur, mais comment il a même fait d'abord pour me repérer? Bon, il t'a repéré parce que tu es trop emporté avec cette activité de conférence que tu veux faire. C'est vrai, c'est pour moi. C'est pourquoi je te protège à ce niveau. Parce qu'il travaille. Quand tu as le zèle, il va plus te combattre. C'est pourquoi votre zèle doit être mon zèle à moi. Sinon, il va vous combattre. Et puis, prends garde parce que beaucoup de personnes ont conduit l'armée devant les ennemis qui ne pouvaient pas tenir.
très clair. C'est pourquoi il y a des combats que le pasteur avance seul. Il y a des combats où il avance avec d'autres pasteurs. Il y a des choses que le pasteur ne peut pas dire à tout le monde, que tu ne peux pas supporter. Il y a des choses que je prêche ici. Après, ça te frappe parce que ta situation est dans ça. Mais tu ne connais pas ce qui a déclenché ça en moi. C'est pourquoi il dit souvent à certaines personnes qu'il faut que tu appelles l'autre. Là, tu lui dis que tu ne m'as rien dit. Hein, parce qu'il peut croire que tu m'as parlé de sa vie. Alors que tu ne m'as rien dit. Parce qu'il y a les prédications que je fais. Après peut-être deux jours, j'apprends quelque chose que quelqu'un avait fait. Il a dit à l'autre. Je dis, mais il faut que peut-être tu lui dises. Parce que quand il va entendre ma prédication que j'ai faite avant-hier, il va croire que tu m'avais dit quelque chose. Alors que tu ne m'as rien dit. Vous voyez, maintenant que je parle ici, ça traite beaucoup de problèmes. Et de vous a dit que je ne prêche pas la réalité de quelqu'un d'autre. Je prêche ma propre réalité. Donc, quand je vois que quelque chose va passer, c'est la même vie. Comme l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 9, 27, que je tiens mon corps assujetti. Donc, quand la même victoire, le même combat que je mène, c'est ce que je prêche. Très clair. Sinon, je suis hypocrite. Je ne vais pas te dire que fais comme ça et puis moi-même, je ne fais pas. Je suis le premier hypocrite. Donc, quand on prêche une expérience aussi avec Christ, oui, mon frère. Une expérience vainqueur. Tu ne vas pas dire que Jésus est capable de sauver les gens de leurs péchés. Si toi-même tu es encore dans tes péchés, tu es un menteur, tu es un témoin. Ce n'est pas par la lettre. Le témoignage, c'est par le sang. C'est pourquoi la Bible a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et qu'on a vaincu Satan par le sang de l'agneau. Tu comprends? Donc on sème par le sang. Nous on ne sème pas par la lettre. Prends garde. Donc on vit, on suit Christ par le sang. On ne le suit pas par la lettre. Donc tu comprends que dans ce combat, la force de Dieu, le scanner que Dieu donne, ça te permet d'être en paix. Donc comment tu vas aller commettre adultère? Comment tu vas aller te quereller, te battre? Comment tu vas garder la maîtrise dans ton cœur une minute? Ça va faire comment? Tu vois bien, tu avais la paix. Alors tu marches pour la paix, recherche la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La clé, c'est donc renoncer à toi-même. Parce que l'ennemi qui vient pour violer le scanner, il ne peut pas violer le scanner en passant. Mais il va tenter de violer le scanner, c'est-à-dire que la barrière de protection et du détecteur du péché qui vient pour entrer en toi, que le Saint-Esprit donne à tout chrétien véritable. Le détecteur des péchés, tu comprends? Alors, quand il va venir pour passer, le Seigneur va te dire que le seul chemin redoutable qu'il prend, c'est le chemin du moi. Il va toujours venir avec le moi. Il va dire que dans l'affaire, si tu gagnes quoi? Voilà. C'est dit que tu gagnes quoi? Quand il a parlé comme ça, tu vas accepter ce qu'il a dit et tu seras sourd au son du canet, du scanner, au signal du scanner, à l'alarme du scanner. Tu vas faire, ouais, tu ne pourras plus comprendre. Parce que tu es déjà parti dans ton gain. Et quand il devient plus sévère, quand il ajoute la joie, l'anticipation de la joie que tu vas avoir, et de l'orgueil et de la gloire, et du repos et de la paix que tu vas avoir si tu partais faire ta volonté. Voilà où il prend l'exemple. Il te dit que le repos là est plus grand que le repos que tu avais. Maintenant, comme notre Dieu est le Dieu de maintenant et d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu n'es plus maintenant avec lui, la bénédiction de la joie, la paix que tu avais hier, tu ne peux plus te rappeler de ça à juste titre quand tu es dans le pays de l'étranger. Alors, la force de la joie du diable, comme tu avais vu maintenant, sa force, la joie, son plaisir, il va mettre l'emphase dans le vieil homme. Et tu vas désirer, si c'était la femme, si tu as touché et que tu n'as pas compris le scanner, parce que si tu touches déjà avec la femme, ou bien l'argent, ou bien tes ambitions, ou bien les postes, tout ça, il va bâtir les projets. Alors, quand il t'a touché comme ça, le plaisir, là, le désir là, de la femme, là, il augmente, il t'a pris, c'est terminé. On peut sonner le scanner n'importe comment. Un frère peut te dire le chemin c'est mauvais, c'est terminé. Tu ne vas même plus l'appeler, tu ne vas même plus vouloir parler avec lui, c'est terminé, tu vas le fouiller. Après il va commencer à compter les défauts que tu avais sur le type là, sur le pasteur, sur le frère ou sur la soeur là. Il compte les défauts pour t'éloigner. Tu es parti, il t'a pris, tu es parti, tu es mort, tu es entré dans la vie des épines, c'est fini. Tu comprends? Parce que bon, le chemin qu'il va prendre, c'est le moi. C'est pourquoi Jésus dit que renonce à toi-même. Même quand tu vas être en train de partir, pour quand Jésus t'attire, il va dire que regarde, ma présence, l'huile d'onction, des vierges sages, toi, tu n'en as plus.
Tu as maintenant une huile qui est diminuée. Tu es déjà une vierge folle parce que tu ne marches pas dans la sagesse de la croix. Alors, si je viens maintenant, alors pour vouloir te prendre, j'ai ri tout à l'heure parce que j'ai utilisé un papier qui n'était pas le papier pour essuyer mes lèvres. C'est pour ça que j'ai ri. Voilà, donc, si je viens maintenant pour vouloir te prendre, j'ai aussi ri pour te dire que je n'ai pas la médecine dans le cœur. Si je viens maintenant pour vouloir te prendre, alors je parlais du scanner. Voilà, si je viens maintenant, tu n'as pas ton huile, ne peux pas tenir. Ton amour pour moi est faible. Le premier commandement, tu ne pourras pas passer. Aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Tu ne pourras pas. Tu vis pour autre chose. Tu es conduit par un autre esprit. Tu ne peux plus, regarde, tu ne peux pas rester dans ma présence. Tu ne peux plus prêcher avec la même passion. Je vous ai dit que pour que je prêche tous les jours comme ça, il faut que je vive pour ça. Il faut que je vive pour Christ. Et je vais mourir pour ça, pour quoi j'ai vécu. Très clair. Mais toi, tu veux tricher. Tu ne pourras pas arriver. Donc Jésus connaît déjà que tu ne pourras pas arriver. Quand il va t'appeler, quand il va envoyer les pasteurs qu'il enverra, il va tout dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu comprends? Voilà où beaucoup d'instants sont pris par le diable, par les désirs, par les épines. Et Jésus dit que s'il trouve les épines, il trouve les soucis, les inquiétudes du siècle présent. Tu comprends? Il va brûler, il va consumer. Les méchants seront consumés. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai pas le temps d'aller lire les versets bibliques pour montrer ça. Parce que je crois que l'Esprit veut absolument donner la force, la direction pour tuer toutes les épines. Donc le feu qui va brûler l'épine, c'est le feu qui brûle la chair. On châtiait la chair avec les épines. C'est un préfiguratif. Très clair. Les épines, les soucis, les inquiétudes. Il y a les disciplines, il y a les châtiments que le Saint-Esprit m'a souvent donné. Par exemple, s'il va te mettre dans le jeûne, et puis tu es désobéissant au jeûne, il peut te livrer aux épines. Après, tu commences à sentir l'absence de la présence de Dieu. Très clair. Alors, tu rends même ministère, mais tu n'as plus le fleuve d'eau vive. C'est un châtiment, mon frère. Oui, que Dieu te donne. Il sait que tu aimes la présence de Dieu, le cœur d'un vrai adorateur. Fais tout pour être dans la vraie présence de Dieu. Et il lutte contre tout ce qui peut substituer le plaisir qui est dans la présence de Dieu. Je vais le bénir, je vais arrondir, je vais prier aujourd'hui plus tôt. On va le bénir. Je crois que le Seigneur voulait mettre l'accent sur un point précis pour restaurer la force et vaincre la distraction, la corruption et puis le mensonge. Hein? Très clair. Si la présence de Dieu ne peut pas te satisfaire, alors tu laisses Dieu tranquille. Hein? Le Psaume 16. La Bible dit que, regardez bien, il dit ceci. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. La joie là, si ça ne te satisfait pas, la joie que les 24 vieillards ont, alors, la joie que les quatre êtres vivants ont tous les jours dans la présence de Dieu, la joie éternelle du Dieu béni. Si chercher la face de Dieu et rester dans sa présence ne satisfait pas un chrétien, quand il faut qu'il monte, il descende, ça c'est un faux chrétien, va écrire. Ou va me critiquer. Je n'ai pas un vrai chrétien. Si la présence de Dieu ne te satisfait pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai pasteur. Tu es seulement un faux. Un vrai. Tu es l'original du faux. C'est-à-dire que tu es la dernière touche de Satan pour venir mentir que tu voulais nous réveiller à l'église. Il y a d'abondantes joies. La Bible dit que le fruit du Saint-Esprit, la joie, la paix, la joie là, ne te satisfait pas. C'est une autre joie que tu prends. Ça, c'est la fausse joie qui combat la joie du Saint-Esprit. Ça éteint le feu vite. Très vite. Très clair. Il dit que tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Des délices éternels. Comment il connaît? Comment il connaît qu'il y a
les délices éternels. Alors toi, chrétien, examine-toi. Pourquoi tu n'as pas ces délices? Il te faut quelque chose pour être renom. Creuse. Le conseil que je te donne, c'est que creuse. Quand le Père va voir que tu as décidé, de toutes les façons, il t'a donné à tous une preuve certaine que ces délices existent le jour où tu as cru. Si tu as été véritablement né de nouveau, tu vas expérimenter la vraie paix, la vraie joie du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas donner la joie au ciel, aux anges, de ta nouvelle naissance pour qu'ils chantent son nom s'il ne t'a pas donné la joie de ton salut. La Bible a dit que la joie de mon salut. Donc si tu as eu le salut, tu as expérimenté la vraie joie qui dépasse le sexe, l'argent, les réalisations, le réveil, les grands conférences, les gros noms, la présence de Dieu, mon frère. Oh, c'est pourquoi que je chante, que je prêche, que je sois, je veux la présence de mon Père, très clair, qui vit dans mon cœur, absent mais fait. Je peux dormir à terre, j'ai la paix de Dieu. Jésus-Christ a vaincu le monde. Ce n'est pas maman qui dicte le bonheur et la joie, ça je refuse. Ce n'est pas le succès du monde ou quoi qui va s'accomplir, qui va dicter la vie de Christ. Ça c'est le mensonge, Jésus est sur le trône. La vie de Christ ne peut pas être diluée. Irremplaçable, tout homme a droit à sa vie, tu as droit à la force éternelle. On ne dirait pas, mon frère, donc tu ne vas pas accepter quelque chose qui va voler la présence de Dieu ou qui va substituer. Tu n'as plus la présence de Dieu et puis tu vas entretenir une certaine fausse espérance. Quelle espérance? Mon frère, il y a les délices, la joie de l'esprit, la joie de Dieu. Alors maintenant, quand moi je suis venu à l'église pour prier avec vous, en clôture, alors je suis arrivé à cette église, le pasteur commençait à prêcher. Il parlait comment? Il faut que je me répande. Il dit, répande-toi, tu es là, donne ta vie à Jésus. Hein, le Seigneur t'attend et tu es là en train de tourner. Tu mets ta confiance sur ton oncle met ta confiance à Christ. Et il prêchait. Pendant qu'il disait, ça, je disais que je peux donner ma vie. Quand il parlait, je remarquais que quand il disait au nom de Jésus, quand il disait au nom de Jésus, je voyais que les frères là, ils avaient une confiance en Jésus. Hey, mon père, l'église, l'église ne doit pas mourir dans mes mains. Mon père, aie pitié de moi. Que le frère de Dieu ne disparaisse pas pendant le temps de ma vie. Que le frère de Dieu, qu'un frère étranger, qu'une fausse joie, qu'une fausse vie, qu'une fausse consolation ne remplace pas la consolation. Je parle d'abord de moi, mais en passant. C'est pour ça qu'après, je peux parler à l'autre. Je te dis ce que je mets en pratique constamment dans ma vie. Donc, aucune consolation ne remplace la consolation du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais prêcher comme ça avec le zèle. Parce que ça vient de mon cœur. Ça ne vient pas d'une routine quelconque. C'est une vie pratique, concrète. La lutte pratique. C'est pas la théorie. C'est pas qu'on va encore chanter demain, on va encore prier demain. Non. Le combat d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc tu comprends, et puis c'est comme ça que tu vis. Donc tu restes dans la vérité. Le pasteur a prêché. Hein? Et puis le Seigneur voyait comment j'étais dans la constance. Il disait que voilà, donc tu dois veiller à ce que rien ne remplace la vie de l'esprit. Donc quand il parlait comme ça, qu'il faut te repentir, donne ta vie au Seigneur, et puis j'étais là tranquille. À un moment donné, à chaque fois quand il parlait, voilà, je disais que je remarquais que sa confiance, leur confiance en ce Jésus était trop. Et puis quand il parlait, il dit Jésus t'attend, la force éternelle, le Fils de Dieu. Et puis quand il disait au nom de Jésus, tous les frères là, il disait amen. J'ai commencé à dire, ce Jésus-ci, il doit être tout puissant. Hein? Regarde comment tous les gens s'y espèrent en lui. S'il entre dans ma vie, il est tout puissant. Vraiment, je vais être son ami. Je commençais à regarder la force, le Saint-Esprit magnifiait Jésus. On me parle de Jésus, le faux Jésus. Je ne prends pas. Hey, mon frère, je ne change pas. Je reste dans les prémices que j'ai vues à la montagne de Dieu le jour où Jésus m'a sauvé. Voilà ce que je défends. La pureté, la vie incorruptible, la joie vivante, la joie qui parle. Frères et sœurs, le combat c'est maintenant. La pratique c'est maintenant. On n'est pas dans la lettre. On est dans la pratique. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a refroidi?
que quand tu diriges la prière, tu es lourd, ou bien que tu prêches, tu es lourd, ou bien que tu n'es plus stable, ou bien que tu n'es plus à ton poste. Attends, Christ ton maître, qu'est-ce qui t'a fasciné que tu ne peux plus gêner? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Quel est le démon qui est entré entre la présence de Christ et toi? Qu'est-ce qui a substitué la joie d'être avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Renonce à toi-même. Alors, ils mettaient leur confiance en lui, à Jésus. Quand il dit au nom de Jésus, les frères, ils disent Amen. Mais ils étaient trop vivants. Après, il dit que je vais donner ma vie à ce Jésus. Il dit donne ta vie. Mais quand il disait donne ta vie, au moment de me donner ma vie, moi je vivais dans la fornication. C'était ma seule consolation. Avec une fille dont je ne donne pas le nom, dont la mère était hôtesse. C'était ma seule consolation. Alors, moi je voulais accepter Jésus, mais je ne voulais pas laisser la fornication. Donc, au moment où je voulais dire Seigneur, je te donne ma vie, parce que moi je ne savais pas que la fornication n'est pas bonne. Mais il a fait, au moment là, il disait là-bas à l'hôtel que laisse la fornication. Quand il disait fornication, mon cœur explosait, boum! Et puis c'est comme ça que je dis, papa, laisser la fornication? Vraiment, non. Et quand il disait laisser la fornication, je parle de quelqu'un aussi qui n'a pas le scanner. Parce que maintenant, le démon de fornication est dans mon cœur. Donc, il n'y a pas de scanner pour moi. Donc, je ne sais même pas que c'est mauvais. C'est le Saint-Esprit qui combat maintenant. Tu vois, pour me libérer par la parole. C'est pour ça que je vous dis que les gens qui s'amusent avec la parole, mon ami, hein, tu as menti. La parole de Dieu, est-ce que quand je suis sauvé, c'est la parole-ci qui m'a sauvé? Le pasteur me connaissait. C'est la parole, frère. La parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les faux évangiles que les gens entendent là-bas. On dit né de nouveau, connu par le Père, connu par le Fils, connu par le Saint-Esprit. Frère, rien ne peut remplacer. Vous avez menti. Quand il dit vous, ce n'est pas vous. Hein? Quand il dit qu'on m'a tendu les pièges, ce n'est pas toi. Pourquoi tu m'as tendu les pièges? On est dans le combat véritable. Quand Jésus disait que mon âme est triste jusqu'à la mort, il ne parle pas de toi. Il est dans une vie, la vie combat, le combat terrible. Quand je prie que Seigneur réponds moi, ce n'est pas toi. J'ai mon âme, tu as pour toi. Moi, je vais rentrer écouter la parole. Je vais rentrer jeûner pour écouter la parole de Dieu. Voilà, toi, tu vas rester avec les démons. Parce que c'est un mystère. Moi, je m'en vais écouter. Je vais écouter près de 7 fois le message. Mais toi, tu vas rester dans un ministère. Le démon va te dire qu'il prêche sur toi. Je t'avais dit. Et puis, un autre démon, un autre frère à l'église, qui est aussi un envoyé de Satan qui est corrompu depuis longtemps. Malheur, de toutes les façons, vous connaissez. Quand vous êtes des malheurs, vous connaissez. Parce que quand vous vous réunissez, vous parlez contre quelqu'un. Après, vous allez vous mal parler entre vous. Vous comprenez, non? Toutes les personnes que tu vois qui se réunissent pour parler contre un juste. Après, eux-mêmes, quand ils se séparent, ils vont dire que l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Ça sera toujours comme ça. Le diable ne donnera pas le repos. Quand vous vous détruisez, tu détruis. Après, maintenant, vous deux, vous commencez à vous détruire. Le mystère du diable, je n'ai pas le temps pour entrer là-bas. Très clair. Donc, tu dois comprendre que la force de Dieu va te sanctifier, va te libérer. Donc, je rentre chez moi, je ne me répands pas parce qu'il avait dit ça, mais je ne dormais pas. Le lendemain, au prochain culte, je dis que je vais rentrer. Mon oncle qui m'avait amené à l'église n'était plus parti. C'était fini pour lui. Avec ses enfants, ils ne sont plus, non plus jamais mis les pieds. Il commençait à critiquer le pasteur là. Très clair. Il commençait à critiquer. Moi, il me voyait, je ne mangeais plus. Je te parle de mon salut, hein, frère. Elle te parle de l'esprit qu'on ne substitue pas. Rien n'est égal. Je vous ai dit que j'avais gardé à l'esprit que j'avais un grand problème dans ma vie. J'étais au point de me suicider à cause de ce problème. Mais regardez ce qui va se passer quand je vais rencontrer Jésus. Alors, j'ai vu l'échantillon de la vie. Frère, je ne peux pas mourir les yeux ouverts. Non. Mon frère, je ne peux pas mourir les yeux ouverts. C'est le mensonge. Le bâton que l'œil voit. Alors, le bâton que l'œil voit ne peut pas entrer dans l'œil. Parce que je vois bien comment il vient. Il y a un pasteur qui dit souvent quelque chose qui m'avait fait penser. Il dit que si l'oiseau passe au ciel, l'oiseau l'a fait les selles sur ta tête, on comprend. On va dire, mais lui, il passait. Mais si l'oiseau construit le nid sur ta tête, c'est terminé. Donc, il met une herbe, tu vois. Il part, il prend une herbe, il met. Oh, on m'a dit, mais écoute, frère, retire-toi de moi, maudit. Très clair. Alors, tu vois comment la force du péché, du plaisir, de la fausse joie,
t'attaques et tes dames infructifs. Pourquoi tu ne l'attaques pas? Pourquoi tu ne rentres pas? Pourquoi tu vois l'ennemi et puis tu le laisses entrer dans ton camp? Qui aurait cru, dit la Bible, que l'ennemi entrerait dans les murs d'Israël? C'est ce que la Bible dit. Que qui aurait cru que l'ennemi entrerait? Frère, un mystère terrible. Est-ce que tu veux défendre la cité forte de Christ? Renonce à toi-même. Aucune autre joie, tu n'acceptes. Aucun autre problème, tu n'acceptes. Tu es un flegmatique. Jour et nuit, tu attends que ça se passe. Soyez comme des serviteurs qui attendent que leur maître arrive. On n'est pas emporté par les plaisirs, les joies, les mouvements. Aucune bonne nouvelle. J'attends une seule nouvelle. C'est la vie éternelle. Je reviens le lendemain. Le prochain culte, je ne mangeais plus, je maigrissais. Mon oncle me dit que mais tu maigris comme ça là. Ce n'est pas la magie, hein. L'église, oui, pas là. Je suis venu. Le deuxième, j'étais le premier. J'étais à la porte, j'attendais qu'on ouvre. Que je vais mettre ma vie en ordre avec Jésus. Je ne dormais pas, j'étais tourmenté. Il dit l'enfer, le feu. Il parlait du feu là. Et c'était réel quand il parlait. Je dis non, je ne peux pas aller au feu éternel. Je vais faire ma paix. Je m'en vais là-bas aujourd'hui. Je crois que je vais dire, je donne ma vie à Jésus. Le diable m'avait dit que c'est parce qu'il parlait vite. Qu'il a dit le mot fornication dans sa bouche parce qu'il parle vite. Il n'a pas médité. Donc la fornication, ça ne peut pas être un péché. Donc je suis prêt à tout faire pour servir Jésus, pour le suivre, pour faire la paix avec lui. Après tout, il est bon et puissant. J'ai vu la confiance qu'on a en lui là. Vraiment, je veux être son ami. Mais le problème de fornication, si, c'est sûr qu'il a fait l'erreur. Le pasteur a fait l'erreur. Donc, comme il a fait l'erreur parce qu'il parle vite. Donc, je vais aller demain. Je vais donner ma vie à Jésus. C'est sûr que quand je vais aller demain pour le culte, il ne va plus dire fornication. Je vais donner ma vie. Tout ça se passe à moi. Mais le Saint-Esprit connaît. Donc j'arrive à l'église le premier. Je suis assis sur une place. Je ne veux pas que tu me parles. J'ai un problème. Je ne parlais plus à mon oncle, à ma mère, à sa femme. J'avais seulement un problème pour être sauvé. Vous parlez même souvent de quoi? Quel salut que les gens parlent souvent là. Mon frère, tu as eu la chance d'être dans une bonne église, hein? Tu as eu la grâce, mettons ça comme ça, la grâce d'être dans une bonne église où on cible seulement ton éternité. Viens voir les gens en enfer, comment ils disent, ils demandent à Dieu que pourquoi tu ne m'avais pas mis dans une grâce. On va me sonner la larme tous les jours. Je suis venu à l'église là, mon frère, ma soeur, je suis resté comme ça, bien, ils chantaient les louanges, la puissance de Dieu. J'attendais seulement qu'on dit que donne ta vie à Jésus. Après, comment on dit, donne ta vie, tous ces marcheurs, tu vas donner ta vie et tout ça. Jésus va briser tes péchés, tu vas là en enfer, pourquoi la fille? Et puis quand tu vas là en enfer, pourquoi? Je veux maintenant me dire que Seigneur, je te donne ma vie. Oh, employez-moi, au moment où tu m'as dit que je te donne ma vie, le pasteur l'a dit là-bas, à l'hôtel, que la fornication, il faut laisser la fornication. Je vous dis la vérité. Et quand il dit qu'il faut laisser la fornication, comme c'est ce que je ne voulais pas entendre, mon cœur explose, boum. Vous voyez comment je rentre sur le banc comme ça. Les démons géants du sexe. Frère, que Dieu te pardonne. On parle du salut éternel. Les gens sont là en train de manger et de boire. Tu vas arriver au ciel. Continue à t'amuser. La principale arme du chrétien, c'est le Saint-Esprit et sa vie. Le chrétien aime la vie du Saint-Esprit. Le vrai chrétien. Voilà ce qui fait la différence. Le chrétien aime la vie du Saint-Esprit. La joie, là, il connaît ça. C'est sucré. C'est irremplaçable. Il cherche ça tous les jours. La joie éternelle qui couronne la tête de Dieu. La tête des rachetés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il dit comme ça, que pas de fornication, je reçois l'esprit dans mon cœur, il finit le culte, je rentre à la maison. Je rentre à la maison étant abattu, faible, abattu, méprisé, abattu là-bas, voilà très clair. Donc je rentre à la maison, abattu, affamé, je marche malheureux, et puis je rentre à la maison. Je ne fais que les rêves que j'avais. Je ne veux pas aller en enfer. La fille même là, je ne l'appelais même plus. J'attendais seulement le troisième culte. Le troisième culte pour partir. Le troisième culte. Au troisième culte, j'arrive encore. Maintenant, j'avais dans l'évidence que ce n'est plus l'erreur. Parce qu'il avait parlé de fornication bien. Il a articulé. Il a décrit les gens qui étaient que la fornication, le péché du sexe avant le mariage. Il avait parlé. Donc, il n'y avait plus de doute.
Maintenant, je partais pour donner ma vie à Jésus. Je ne vais pas aller en enfer. Je suis prêt à tout laisser. J'avais même déjà oublié mon problème d'école. Vous voyez, je parle des vrais messages. Hein? J'avais le problème d'école, tout ça. Je n'avais plus pensé à ça là. Maintenant, c'était que je veux partir l'éternité où? Je vais passer mon éternité dans le feu. Non, monsieur, ça ne peut pas se passer. Je ne peux pas aller là-bas. Non, je vais rentrer voir ce Jésus. Voilà ce qui est à moi. Regardez, pendant ce temps, le pasteur ne connaît pas mon nom. Le pasteur ne m'a pas vu. Mon oncle ne partait plus à l'église. Comment lui faisait maintenant que quand j'arrive là-bas, il dit les choses pour que je sois sauvé? Je parle du Saint-Esprit qui m'a sauvé. Quelqu'un, vous croyez que c'est la blague? Le troisième jour, j'arrive là-bas, quand le troisième, ça veut dire qu'il y avait des décalages. Je suis encore le pionnier, mais je n'ai plus la force. J'arrive là-bas, les frères, là, comment la louange, le pasteur remonte là-bas, dans ta vie, je sens une onction irrésistible du Saint-Esprit. Mon frère, la Bible dit sincèrement que quand Jésus-Christ sera élevé, mon frère, il va attirer tous les hommes vers lui. Le Saint-Esprit a commencé à magnifier Jésus. La force éternelle, je sentais l'électricité dans la salle. Je sentais comment la sueur transpirait. Je veux entrer. C'est-à-dire qu'il parlait de Jésus. Quand il commençait à donner la révélation, il dit qu'il commence, Esprit de Dieu. Il commence dans la révélation prophétique pour le salut. Il dit que tu as des problèmes, tu mets ta confiance sur ton oncle. Ton oncle ne fera rien. Jésus-Christ est ici. Ton problème va tomber maintenant. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à... Et puis maintenant, quand il parlait, la force de la révélation, la force du Dieu Tout-Puissant, quand il commençait à parler, le combat en moi. Et puis je sens comment les forces qui me tenaient étaient déjà désarmées. Et maintenant, je sentais les vagues de fleuve d'eau vive qui voulait déjà me dire que dis. Là, je sentais une force qui montait en moi pour dire que Seigneur, je te donne ma vie. Maintenant, quand je voulais dire que je voulais parler comme ça, les démons là viennent. Maintenant, ils me montrent une image des cuisses de la fille là parce qu'elle était brune. Ils montrent les cuisses. Ils disent que tu vas partir. Et puis le pasteur dit qu'elle invoque Jésus. Tu vas. Mon frère, il dit que le pasteur là-bas dit que tu vas aller en enfer à cause d'une fille. À cause d'une femme, tu vas aller en enfer. Demande à Jésus, mon frère, j'ai senti la force de Dieu en moi. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te donne. Quand j'ai dit, Seigneur Jésus Christ, je te donne ma vie, j'ai senti un fardeau qui est sorti de moi. Pouf! C'est comme si je m'étais réveillé de quelque part. Mon frère, j'étais éveillé à l'église. Je voulais embrasser tout le monde. Mon problème venait de tomber. Je parle du Dieu qui donne les prémices, l'avant-goût de la joie irremplaçable du Saint-Esprit. Il m'a dit que le Saint-Esprit dit maintenant que si tu as donné, est-ce que tu peux garder ça? Le Saint-Esprit dit maintenant que c'est le travail que je te donne de garder ça jusqu'à ce que je vienne. La joie du Seigneur, elle est ma force. Tu as vu où on a atterri? Tu as vu le titre du message? On a atterri. La joie du Seigneur, c'est ma force. Donc si tu acceptes une autre joie, tu seras faible. Vous avez bien compris? On ne prêche pas la lettre. On ne prêche pas la lettre. La joie du Seigneur est ma force. Si j'accepte une autre joie, je serai faible. Tu as compris? Le jour où il m'a connu, j'ai goûté les prémices de la vie éternelle, la joie éternelle, irremplaçable. Voilà la force du vrai chrétien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force, ouais, Seigneur Jésus. La joie du Seigneur est ma force. 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 On va prier, ouvre ton micro. Alors tu vois, les problèmes étaient tombés d'un coup. Donc quand tu es avec Dieu, ne dis pas que tu n'es pas satisfait parce que tu n'as pas telle chose. C'est un mensonge. Là où j'étais, tous mes problèmes étaient tombés. Je voulais embrasser tout le monde. J'étais content. La barrière qui me séparait avec les autres était tombée. J'appelais Jésus Seigneur. Wow! Alléluia!
Je disais aussi, Seigneur Jésus, oh, alléluia, tu veux prier. Maintenant, ma soeur, ouvre ton micro. Qui t'a dit qu'il est contre toi? Il veut que tu sois fort. Le secret de la force n'accepte pas la joie opposée. Une autre joie, non, ne prends pas. Prie, parle à Dieu. Une minute de prière. Une minute de prière. La joie du Seigneur, la joie de mon salut. Renouvelle en moi la joie de mon salut. On en prie. Ouvrez le micro. Les sons ne sortent pas. Parle à Dieu. Je veux la joie du Saint-Esprit. La joie de mon Père. Que Dieu donne. Parce qu'un homme donne. Seigneur, ton fils homme. La joie incorruptible. Aide-moi. Aide-moi que je n'accepte aucune autre joie. Aucune gloire à l'extérieur. Tu as bien prêché. Rien. Je ne prends pas la gloire là. Tu as mal prêché. Je ne prends pas ça. Je suis avec la vie de Christ. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tu ne prends rien. Tu ne prends rien de l'extérieur. Jésus t'a si fait la nouvelle vie, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la tranquillité, le repos de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, on en prie. On en prie. Parle à Dieu. Même comme ta voix ne sort pas ici, parle à Dieu. Il aura pitié de toi. Il va te donner l'expérience du salut. Il va te remettre dans le jeûne. Il va avoir pitié de toi. Il va enlever l'erreur. Il va enlever l'épine. Il va brûler l'épine. Il va consumer la vie de la chair, la vie des passions, la vie des désirs, la vie des inquiétudes, la vie de la faiblesse, l'âme de la faiblesse, l'âme de la lourdeur, l'âme de la monotonie. Il va calciner. Il n'y a point lui de colère, mais s'il trouve les épines à combattre, il va les consumer en un instant. Il vient, mon frère, il vient, ma soeur, dis-lui ton problème. C'est quoi qui t'a fasciné? C'est quoi qui t'a enlevé la vie de Dieu, la consécration, la détermination, la rédemption éternelle, la valeur de Jésus, la valeur de la vie de Jésus, irremplaçable. Qu'est-ce qui t'a bougé? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Quelle joie a remplacé la joie de Dieu? Quelle fausse paix du dragon, la paix du prince du monde qui va remplacer la vie de paix de Christ en toi? Parle à Dieu, nul n'est comme lui. Tu ne connais pas le cœur, tu ne connais pas le sang, tu ne connais pas l'esprit. Prie Dieu, l'expérience de ton salut, l'expérience de ton salut, la joie du Seigneur, renouvelle en moi la joie de mon salut, renouvelle. Prie Dieu, tu as pris la fausse joie, c'est pourquoi tu es lourd, c'est pourquoi tu es fatigué, c'est pourquoi tu n'es pas pu triompher. La joie véritable est la force des chrétiens, la force des croyants. Parle à Dieu, Satan est tombé, le prince du monde est jugé. Invoque-moi, je te délivrerai, je te révélerai la gloire de Dieu et tu me glorifieras. Et tu me glorifieras. Invoque-moi, tu as peur de qui? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Reviens à ton père, reviens au premier amour, reviens à la première vie, reviens à la première paix, reviens à la première victoire, reviens à la première consécration. Reste inchangé. Jésus ne change pas. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Il est le même hier. Yeah. Il est le même. Il t'a donné le même salut hier, yeah, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui t'a corrompu? Qu'est-ce qui t'a séduit? Oh Ghana, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Parle à Dieu. Rien ne va te bouger. Rien ne va te bouger. Tu connais Dieu par sa vie. Tu connais Dieu par sa vie. Tu le connais. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Jésus à toi la force. Jésus à toi la gloire. Jésus à toi l'adoration. Merci Seigneur. On a beaucoup de problèmes avec l'enregistrement. Merci Seigneur. On a beaucoup de problèmes avec l'enregistrement. Donc, les micros, les sons ne parviennent pas ici. Je vais arrêter la vidéo. Merci Seigneur. À toi la gloire. Je prie. Reprends contrôle. Tu comprends ma soeur?
rentre dans ta crucifixion, mon frère. Jésus-Christ est exceptionnel. Tu comprends? Il n'y a personne comme lui. Le trafic ne change pas la paix de Dieu, la joie de Dieu avec la pacotille. Cherche la vraie force originale de Dieu, la présence de Jésus, ton précieux trésor. Merci Seigneur. J'ai regardé la vidéo. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, amen, amen. Merci.